En République tchèque, des centaines de manifestants ont investi vendredi soir les rues de Prague pour demander le départ du Premier ministre Andrej Babiš. Malgré les appels à la démission du milliardaire, son gouvernement de coalition a survécu à un vote de défiance au Parlement. Je suis très déçu et en colère, explique cette manifestante. C'est inacceptable qu'un chef de gouvernement comme celui-là ne tombe pas. De plus en plus de gens sont contre le Premier ministre et il serait donc préférable qu'on continue sans lui. Au Parlement, l'opposition de droite n'est pas parvenue à faire tomber le gouvernement. La motion de censure a été largement retoquée. Mis en examen depuis 2017 pour un détournement de fonds européens présumé, Andrej Babiš a été accusé la semaine dernière par un site d'information d'avoir envoyé son fils en Crimée, annexé par la Russie, pour l'écarter de l'enquête sur cette affaire.